Bonsoir et bonne fête de l'indépendance à tous et à toutes. Le dossier de ce journal du dimanche est consacré à l'urbanisme. En 1960, à l'accession du pays à l'indépendance, les villes congolaises étaient bien tracées et les normes urbanistiques respectées et la démographie n'était pas aussi galopante. Léopoldville, par exemple, ne comptait que 400 000 âmes, mais aujourd'hui, elle avoisine les 20 millions d'habitants. Les villes congolaises ont connu une extension hors normes et une urbanisation sauvage. Un expert en art et bâtir plaide pour le respect des normes dans la construction des villes. Malou Mbella et Bobet Teyenga ont passé au scanner le secteur de l'urbanisme 64 ans après. Avant d'aborder le journal, d'abord l'actualité. Le 30 juin de cette année intervient dans un contexte sécuritaire préoccupant, surtout à Kanyabayonga, dans le Nord Kivu. Dans son message à la nation, à la faveur justement du 30 juin, le chef de l'État s'est vu rassurant quant au rétablissement de la sécurité. Félix Tshisekedi a aussi abordé d'autres sujets de la vie nationale. Je vous convie à suivre le président de la République. Congolaises, Congolais, mes très chers compatriotes, le 30 juin, nous célébrons bien plus qu'un simple anniversaire. Nous célébrons l'âme de notre nation, sa force et sa résilience. C'est une célébration. Une célébration de notre liberté chèrement acquise par le courage et les sacrifices consentis par les pères de notre indépendance qui ont combattu sans relâche les affres du colonialisme pour que nous puissions jouir de notre liberté et de notre souveraineté. C'est ici le lieu de rendre un hommage appuyé à leur bravoure, à leur détermination et à leur vision lumineuse pour un Congo uni, libre et prospère. Aujourd'hui, nous sommes 64 ans plus âgés, 64 ans plus forts, 64 fois plus déterminés à poursuivre l'œuvre de nos pères fondateurs. Le cheminement de notre nation nous renseigne que l'indépendance chèrement acquise est certes un choix délibéré de responsabilité, mais elle ne devient véritablement un acquis que lorsque nous en faisons un pari ambitieux, celui de la volonté inébranlable de tout un peuple d'aller toujours vers le progrès économique et social pour un bien-être durable. Elle est un combat continu qui exige notre unité, notre solidarité et notre engagement pour un avenir meilleur pour tous. Mes très chers compatriotes, cette commémoration est marquée cette année par l'installation effective des institutions de la République et des animateurs issus du quatrième cycle électoral qui a connu pour la première fois la participation d'une partie de nos compatriotes vivant à l'étranger. Ce processus est appelé à s'étendre à l'ensemble de la diaspora congolaise à travers le monde. Je me réjouis de célébrer notre marche collective vers la consolidation de la démocratie et la promotion de l'état de droit dans notre nation. Il est crucial que nous reconnaissions l'importance de ces valeurs fondamentales pour assurer une société juste, équitable et prospère pour tous. Mes très chers compatriotes, le défi sécuritaire auquel nous sommes injustement confrontés est complexe et exige une réponse collective, courageuse et déterminée de notre part. En cette journée sacrée de notre indépendance, je ne peux passer sous silence la grave situation sécuritaire qui secoue notre pays. Ce qui se passe à Kanyabayonga, à Kaini, au village du sud de Lubero, ainsi que dans les territoires de Rutshuru, de Nirangongo et du Masisi, constitue une agression flagrante contre notre souveraineté nationale et la paix de notre peuple. En ma qualité de président de la République et commandant suprême des forces armées et de la police nationale, je tiens à vous assurer de ma détermination inébranlable à défendre l'ensemble de notre territoire et à rétablir la paix. Nos vaillants soldats sont en première ligne et ensemble, nous triompherons
de cette agression injustifiée. À nos frères et sœurs de Kanyabayonga et des régions avoisinantes, je veux exprimer ma profonde solidarité et ma compassion face aux souffrances que vous endurez. Votre courage et votre résilience sont une source d'inspiration pour la nation tout entière. Soyez assurés que je mets tout en œuvre pour rétablir la sécurité et protéger nos concitoyens. Je viens de tenir un Conseil supérieur de la défense élargi et des instructions claires et fermes ont été données pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale de notre pays. Ensemble, unis et déterminés, nous surmonterons ces épreuves et nous restaurerons la paix et la sécurité dans notre chère patrie. Mes très chers compatriotes, les forces extérieures hostiles qui agressent injustement notre pays évoquent le prétexte farfelu des supposées exactions commises contre les communautés rwandophones établies chez nous. Les justifications brandies par les auteurs connus de cette agression sont manifestement dénuées de tout fondement. Je tiens à rappeler fermement que la République démocratique du Congo, fidèle à son hospitalité légendaire, respectueuse des principes humanitaires et de ses obligations internationales, a toujours, depuis son accession à l'indépendance, accueilli par vagues de réfugiés venant des pays voisins. À titre d'exemple, la République démocratique du Congo a offert son hospitalité notamment aux communautés angolaises, burundaises et centrafricaines en raison de nombreux et violents conflits qui avaient secoué leur pays en son temps. Ces dernières ont toujours vécu en harmonie avec les 450 communautés autochtones et locales. La question des réfugiés est une préoccupation majeure pour notre gouvernement et nous la traitons avec sérieux, méticulosité et compassion. Cependant, le refus persistant de notre voisin de coopérer pleinement sur des questions essentielles telles que convenues avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés complique la résolution de cette crise humanitaire. Prenant donc la mesure de l'héritage de notre indépendance, nous augmentons sensiblement les moyens de défense et de sécurité pour protéger avec plus d'efficacité nos frontières et nos populations. C'est pourquoi j'ai instruit le nouveau gouvernement de la République d'investir prioritairement dans le renforcement des capacités de l'État à sécuriser le territoire et la population, avec un budget cumulé sur les 5 ans, représentant 20% du budget annuel, essentiellement destiné à poursuivre les actions de la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité. Honneur et courage aux vaillants soldats et combattants qui défendent loyalement la patrie au péril de leur vie. La nation ne vous oubliera pas. En cette période où notre nation est confrontée à des défis sécuritaires multiformes, j'en appelle à l'harmonie et à la cohésion de toutes les communautés pour unir nos forces, promouvoir la paix, le respect mutuel, afin de consolider la transformation socio-économique de notre pays. Debout, Congolais. Mes très chers compatriotes, les perspectives économiques pour cette année 2024 restent globalement favorables, malgré les défis persistants, notamment sur le plan sécuritaire. La croissance attendue à fin décembre 2024 devrait être supérieure à la moyenne de l'Afrique subsaharienne projetée à 3,8%. Certes, l'inflation et la dépréciation du franc congolais face aux devises étrangères pèsent sur les prix intérieurs. Mais, soutenu par des réformes économiques et des investissements massifs dans les infrastructures, les services et le secteur minier, les perspectives de croissance de la République démocratique du Congo pour 2024 restent optimistes. À partir de ces perspectives, je suis convaincu que la République démocratique du Congo est résolument engagée dans la trajectoire des pays à revenus intermédiaires
grâce à la transformation de l'agriculture et de l'industrie. C'est pourquoi nous devons poursuivre les réformes, projets et actions initiées sous mon premier quinquennat qui ont produit des résultats positifs sur les structures de l'État et de la société. Il s'agit entre autres de la restauration de la fonction de contrôle financier et d'audit des comptes publics pour améliorer la gouvernance, la consolidation de nos réserves de change évaluées actuellement à 5 milliards de dollars américains, la gratuité de l'enseignement de base, les différents paliers de la couverture santé universelle ainsi que le programme de développement local des 145 territoires. Ces acquis seront capitalisés par les réformes initiées pour assurer une transition vers une économie plus diversifiée grâce principalement à la transformation agricole et au développement des infrastructures dans le secteur des routes, des chemins de fer, du numérique et de l'énergie. Dans ce sens, j'ai instruit le gouvernement d'accélérer dès cette année 2024 le déclenchement de la deuxième phase de ce vaste programme minerais contre infrastructure qui va contribuer à la promotion du marché intérieur et à la création d'emplois. Pour illustration, ce programme d'infrastructure permettra de relier le sud et le nord du pays. Cela va non seulement consolider notre réseau national de transport multimodal, mais aussi améliorer sensiblement la qualité de la communication à l'intérieur du pays. De même, dans le cadre de l'amélioration de la mobilité dans les grandes villes du pays, je viens de lancer les travaux de construction de la route de contournement de la capitale Kinshasa, partant de la cité de Moudi et débouchant sur la route nationale numéro 1 par Badara, non loin de l'aéroport international de Ndjili. Mais au-delà de ces efforts encourageants, je suis conscient des difficultés sociales que rencontre la majorité des Congolais au quotidien. En ma qualité de garant de la nation, je peux vous rassurer que cette situation me tient à cœur et que rien n'arrêtera ma détermination à y apporter des solutions idoines et urgentes. Aussi ai-je instruit le gouvernement à prendre des mesures nécessaires pour alléger le coût du panier de la ménagère et améliorer le pouvoir d'achat de la population. Mes très chers compatriotes, la véritable indépendance et la liberté découlent inévitablement du développement, fruit d'un dévouement et d'une prise de conscience profonde de nos responsabilités. Ainsi, en célébrant notre fête nationale, nous sommes tous interpellés à embrasser pleinement la maturité de notre nation et à assumer pleinement les devoirs qui en découlent. En tant que citoyennes et citoyens congolais, où que nous soyons, il est impératif de nous engager résolument pour promouvoir les valeurs de solidarité, de justice et de travail. C'est en nous appropriant véritablement de ces idéaux que nous prendrons pour de bon le plus bel élan, comme nous y invite notre hymne national, et ce, en vue d'ouvrir la voie à un avenir radieux pour notre pays, lui permettant ainsi de prendre sa place légitime parmi les nations influentes du monde. Indépendance Tcha-Tcha, c'est par cette chanson de Joseph Kabasele dit Grand Calais que les Congolais apprennent à la radio Congo-Belge la nouvelle de l'ère indépendance. La chanson interprétée pour la première fois en janvier 1960 lors de la table ronde de Bruxelles par Grand Calais et son African Jazz est devenue l'hymne pour le mouvement anticolonialiste de toute l'Afrique racontant l'enthousiasme de cette émancipation par les populations locales. Retour sur une chanson qui a marqué les esprits au début des années 60 et encore maintenant d'ailleurs avec Pierre Mbouyou. En 1960, se tient dans la ville de Bruxelles, capitale de la Belgique, ancienne métropole du Congo, un mois durant les assises d'une table ronde politique. Pour discuter de l'avenir de l'indépendance du Congo et de ses conditions post-coloniales. La délégation congolaise, composée essentiellement des grands leaders politiques indépendantistes de l'époque, n'était pas venue seule pour négocier avec les autorités belges. Je me rappelle que cette belle fête
l'indépendance a été accompagnée d'une manière agréable avec la musique de Kabasele Tchabala. L'African Jazz de Kalejef avait fait les déplacements de Bruxelles pour assister à la fin des travaux de la table ronde qui nous a amené à prendre, à avoir finalement cette indépendance. Et bien moi, je salue le travail formidable qui a été fait par les pères de la musique congolaise moderne. Ils étaient sept, Kabasele Tchabala, Nico Kassandawa Mikalay, Desho Mwamba, Brazos, Vicky Longomba, Izei Dimonko et Petit Pierre. Indépendance Tcha-Tcha, une chanson qui ne dure que 3 minutes et 10 secondes, provoque une onde de choc au Congo. Joué sans cesse, il s'impose en quelques semaines comme l'hymne officiel du Congo, voire de tous les indépendistes du continent africain. Cette rumba congolaise, au rythme entraînant et à la symbolique très riche, elle mixe les influences latines, caraïbaines, jazz et africaines. Les paroles sont chantées dans les trois langues principales du Congo, les Lingala, les Tchiluba et les Kikongo. Les principaux couplets ou versets de la chanson comprennent les acronymes des principales factions politiques au sein du mouvement indépendantiste congolais. Cette rumba congolaise qui aujourd'hui a été reconnue comme patrimoine immatériel de l'UNESCO, nous devons cette reconnaissance à ces pères-là. Déjà en 1960, ils ont célébré la rumba congolaise avec l'indépendance de la RDC en léguant à la postérité cette œuvre qui est restée pratiquement, qui est devenue pratiquement l'hymne national des indépendances d'Afrique. Nous sommes aujourd'hui en 2024. Nous célébrons le 64e anniversaire de l'indépendance, aussi bien de la République démocratique du Congo que d'une dizaine de pays africains. Cette mélodie envoûtante et historique qui marque l'indépendance culturelle de l'Afrique sera une fois de plus entonnée, chantée et surtout déifiée par toute l'Afrique noire. Plusieurs jeunes ont réfléchi sur le devenir de la nation ce 30 juin. Ils ont jeté un regard sur le passé et ont fait des propositions pour le futur. Quelques étudiants congolais interrogés sur le 30 juin ont leur regard sur cette fête de l'indépendance. Analysant la vie nationale, 64 ans après, ils ont fait des propositions pour l'amélioration dans le futur. Suggérant que le gouvernement, pour accompagner le jeune à être totalement indépendant, le gouvernement se doit d'initier des projets, d'initier des programmes pour permettre à ce que les étudiants soient de plus en plus pris dans des activités de prise de conscience, le permettant à inculquer en eux cet esprit d'indépendance dans leur intellect. Aujourd'hui, avec l'avènement de nos professeurs et la faculté, il y a la naissance de la faculté de médecine dentaire, que nous jetons tant de fleurs et nous comptons sur eux parce qu'ils iront trop loin. Par exemple, ici à l'UPEN, on n'a pas connu des bâtiments qu'on a aujourd'hui, des bâtiments modernes par exemple. On étudiait dans des conditions assez compliquées, mais après la rénovation de nos bâtiments, on est quand même assez à l'aise et dans de bonnes conditions. Et pour moi, si je peux parler au gouvernement, demander à notre très cher président, puisse un peu regarder favorablement la souffrance des peuples congolais de l'Est. Je demanderai si ça sera possible de mettre des moyens plus pratiques, de manière à ce que nos confrères, nos sœurs, nos parents aussi de l'autre côté puissent avoir au moins à l'esprit qu'ils sont considérés dans un pays, tant bien même qu'ils sont quand même éloignés, mais qu'ils soient quand même sûrs qu'ils ne sont pas seuls. La plupart de ces jeunes qui n'ont pas connu l'indépendance veulent apporter leur pierre à l'édification nationale. Les évêques congolais ont tenu leur assemblée plénière à l'issue de laquelle ils ont renouvelé leur équipe dirigeante. C'est désormais Mgr Fulgence Muteba, archevêque métropolitain de Lubumbashi, qui est le président de la SENCO, l'équipe de l'épiscopat, le nouveau, a été présenté au chef de l'État. Auparavant, le nonce apostolique, le nouveau, a présenté ses lettres de créance au chef de l'État. Les résumés de la semaine présidentielle avec Kibambe Somoïssa. Vivement attendu dans la capitale de la République du Tchad, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, facilitateur de la CEAC dans les processus de transition dans ces pays, est arrivé lundi soir en N'Djamena où il a été élevé dans l'ordre national du Tchad. La cérémonie officielle a eu lieu au palais présidentiel lors d'un dîner offert en son honneur par son homologue tchadien Idriss Déby Itno. Cette décoration s'avère le plus haut rang
dans l'échelle des distinctions honorifiques du Tchad. Le président Déby a remercié le président Tshisekedi de son action de facilitateur du processus de transition qui a abouti à l'organisation pacifique des élections libres et démocratiques dans le pays. Aux problèmes africains, des solutions africaines. En N'Djamena, le chef de l'État a été aussi convié à inaugurer une artère principale de la ville. Il s'agit de l'avenue rebaptisée Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette artère traverse le deuxième arrondissement de N'Djamena, un quartier résidentiel de la capitale, un cadeau du peuple tchadien pour l'implication du président Tshisekedi dans la résolution pacifique de la crise au Tchad. La visite d'État du président de la République au Tchad s'est terminée par la signature de 3 accords de coopération à l'issue du tête-à-tête avec son homologue tchadien. Le Tchad et la RDC ont signé un accord cadre de coopération globale, un accord d'exemption des visas réciproques pour les citoyens de chaque pays et un accord pour des consultations diplomatiques régulières. À Kinshasa, à la cité de l'Union africaine, les gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces nouvellement élus ont été reçus par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une occasion pour eux de présenter des civilités au chef de l'État et de recevoir ses orientations concernant la gestion de leurs entités respectives. Le président de la République veut voir des gouverneurs qui répondent à sa vision. Il veut des gouverneurs qui sont sur le terrain et non dans des bureaux, a indiqué en substance le porte-parole de la délégation, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yabula, au sortir de cette rencontre. Au chapiteau de la cité de l'Union africaine, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu les lettres de créance du nonce apostolique et du nouvel ambassadeur de Zimbabwe. Reçu le premier par le chef de l'État, Monseigneur Mitja Leskova, nonce apostolique et de nationalité slovène, docteur en droit au service diplomatique du Saint-Siège, Monseigneur Leskovar a été nommé nonce apostolique en RDC le 15 avril 2024. Il remplace à ce poste Monseigneur Ettore Balestrero. Le diplomate David Singauke a présenté ses lettres de créance au chef de l'État en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Zimbabwe en RDC. Général à la retraite, il a gravi les échelons de l'armée du Zimbabwe jusqu'au rang de chef d'état-major général. Il revient en RDC, pays qu'il connaît pour avoir été au front Est en Mbujumayi et à Cabinda en qualité de commandant de la brigade mécanisée. La conférence épiscopale nationale du Congo a de nouveaux dirigeants. Monseigneur Fulgence Muteba a été élu président de la CENCO. Il travaillera avec Monseigneur Étienne Ongeyohon, premier vice-président, et Monseigneur Jean-Bertin Nadongué, deuxième vice-président. En pleine assemblée plénière, la CENCO a constitué une forte délégation composée notamment du cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, et des archevêques représentant les provinces ecclésiastiques pour présenter au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo la nouvelle équipe de la Conférence épiscopale nationale du Congo et échanger avec le Père de la Nation sur la situation du pays. Dans une parfaite harmonie, au cours des échanges de plus de 2 heures, la nouvelle équipe de la CENCO a rassuré le président de la République de son ouverture. Elle travaillera avec le chef de l'État pour le bien de la population, a renchéri Monseigneur Cholet, le secrétaire général de la CENCO. Autre fait marquant de la semaine avec Peggy Mukunda. Près d'un million des candidats finalistes du secondaire ont pris part à la session ordinaire de l'examen d'État dans l'ensemble du pays. C'est la première ministre Judith Suminwa qui a lancé cette session au lycée Chaoumba. Encourager ses finalistes pour être éligibles au programme Excellencia, bourse d'études de sa fondation, la première dame Denise Nyakiero Tshisekedi était au centre groupe scolaire Moamba dans la commune de Limba pour motiver les élèves. Désengagement de la MONUSCO, la base de Kavumu dans le sud Kivu vient d'être remise officiellement par le gouvernement congolais en présence de la première ministre Judith Suminwa.
La Conférence épiscopale nationale du Congo CENCO soutient les programmes d'action du gouvernement souminois, après avoir reçu les assurances de cette dernière. Les problèmes liés à la desserte en eau potable et électricité en République démocratique du Congo, les staffs dirigeants de la SNEL et de la Régie des eaux étaient face au ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Teddy Wamba, pour trouver les voies et moyens pour l'amélioration de ces denrées vitales. En outre, l'usine de traitement d'eau de Maluku est à l'arrêt suite au vol répétitif des câbles électriques par les anciens. Plus de 500 femmes viennent d'être sensibilisées à une auto-prise en charge par la ministre du Genre, Léonie Kandolo. C'était à l'occasion de la Journée internationale de veuves et des orphelins, célébrée le 23 juin de chaque année. Célébrée le 24 juin de chaque année, la Journée du poisson demeure un cadre de réflexion pour valoriser les productions locales. Nos reporters se sont intéressés à la production locale de poissons. La rédaction du journal télévisé vous a également proposé un focus sur l'état d'insalubrité de la ville-province de Kinshasa, où des ordures ont élu domicile et la population vit dans des conditions difficiles. Par ailleurs, l'Office de voirie et drainage vient de réfectionner une nouvelle drague pour broyer les déchets et tirer les eaux usées dans les rivières et collecteurs à travers la capitale. En dépit de la situation sécuritaire qui prévaut en Ituri, le gouverneur militaire Johnny Luboya Nkashama a atteint les caps de 25 km de route réhabilitée sur les 37 attendus. Terminons par cette cérémonie d'inhumation de notre confrère journaliste cadre à RTNC, Raymond Marie Leno, qui a été conduit à sa dernière demeure. Au 30 juin 1960, lorsque le pays accédait à l'indépendance, la plupart des villes congolaises étaient bien tracées et les normes urbanistiques respectées. La démographie n'était pas aussi galopante. Léopoldville, par exemple, ne comptait que 400 000 habitants, mais aujourd'hui, elle avoisine le 20 millions. Les villes ont connu une extension hors normes et une urbanisation sauvage. Un expert en art et bâtir plaide pour le respect des normes dans la construction des villes. Malumbela et Bobo-Tienga ont passé au scanner le secteur de l'urbanisme 64 ans après l'indépendance. Depuis l'indépendance, les grandes villes de la RDC subissent des mutations. Brunel Guibal, expert en art de bâtir, rappelle la métamorphose subie par les villes de la République. Aujourd'hui, on fait des lotissements en désordre. Il n'y a pas de réseau, il n'y a pas d'évacuation d'eau, pas de téléphone, il n'y a pas d'électricité. Tout ça, c'est une évolution négative parce que la ville est en train de s'étendre à l'est. Sans infrastructure de base, sans accompagnement, même une politique des infrastructures, une politique d'urbanisme, une politique d'habitat. Et les plus grands problèmes aussi, ce sont les normes. Nous continuons à utiliser les normes ISO, ce sont des normes occidentales. Mais est-ce que nous devons rester avec ces normes-là ? Nous dépendons encore de l'Occident, de beaucoup de choses. De tout ce qui précède, quelques pistes de solutions sont envisageables. Je pense que nous, les techniciens, nous devons faire des états généraux pour qu'on réfléchisse, chercher une architecture, un urbanisme, les codes d'urbanisme congolais. Pour le moment, c'est vrai qu'il n'y a pas une architecture congolaise qui s'est dessinée, mais nous devons tendre à cela. Alors, parler des infrastructures, c'est en général, mais il faudrait voir aussi l'état de route. L'état des routes dans la ville de Kinshasa, je pense qu'il est temps qu'on repense la ville de Kinshasa. 64 ans après, moi je crois qu'il faudrait s'arrêter à un moment donné, réfléchir avec tout le corps de bâtir. Alors réfléchir sincèrement, à profond, pas avec des commerçants, des gens qui veulent à tout prix faire leur commerce, gagner l'argent et partir. Mais des scientifiques au vrai sens du mot. Vous savez, nous avons les infrastructures. Nous avons l'architecture, nous avons l'urbanisme, mais nous avons la métrologie qu'on néglige. Il faudrait qu'on garde certains patrimoines, certains vestiges, parce qu'il y a le petit temple ici, par exemple, où Staline était arrivé, qui se trouve ici à côté. Oui, mais ce sont des choses à bien protéger. Et ça peut nous faire un tourisme
On veut moderniser, ok, il y a assez de terrain, on peut construire, mais là on rénove comme c'était. Et ça fait partie du patrimoine. Donc il faudrait qu'à un certain moment, qu'on ne puisse pas trop sortir de ce qui existe déjà, mais qu'on puisse améliorer et surtout revenir aux matériaux locaux et trouver une architecture, les normes urbanistiques congolais. Il y a aussi la volonté politique qui doit accompagner ce que je suis en train de dire. Vous savez, on peut faire les états généraux si la volonté politique n'y est pas. Si le ministre d'urbanisme ne suit pas, le ministre des infrastructures ne suit pas, ce n'est pas le chef de l'État qui va jouer ça. Mais je veux parler quand même de la vision du chef de l'État par rapport aux infrastructures. Dans la ville de Kinshasa, on peut dire qu'il y a eu une grande évolution depuis qu'il est là. Les enfants de Lemba, ils n'ont plus vu les goudrons. Maintenant, vous avez presque toutes les grandes avenues de Lemba qui sont asphaltées. À Kanluka, il y a des enfants qui n'ont jamais vu de voitures passer. Mais vous avez une route qui traverse Kanluka. À Kimwala, la même chose, une route qui traverse... Donc, quelque part, il y a la vision du chef qui est en train de percer pour évoluer sur les infrastructures. Mais comment s'exécuter ? 64 ans après, face à la transformation de l'habitat, il est impérieux de repenser nos villes pour offrir aux Congolais un espace où il fait beau vivre. Les soubresauts politiques que le jeune pays indépendant a connu après l'indépendance ont beaucoup impacté sur la vie nationale des années après. Des conséquences se font encore sentir de nos jours. Réflexion de Ramazani Moulenda. La politique coloniale belge considérait l'immense territoire du Congo comme étant un bien privé de la famille royale. Ce système avait légué aux Congolais un pays morcelé, englué dans une crise multiforme. Crise économique, crise politique, crise sociale. Ce chamboulement a surgi dès les premiers instants de l'indépendance de ce pays, juste après le discours improvisé de Lumumba, qui fit le premier ministre de cette époque. Dans ces conditions, le peuple congolais avait subi cumulativement plusieurs traumatismes psychiques liés à la crise et aux affres de la guerre, notamment meurtre, génocide, manque de soins de santé primaires, précarité dans les vécu au quotidien, perte de biens, perte des êtres chers et d'innombrables autres formes de violence. Tous ces traumatismes étaient de nature à entamer de façon durable le mental des Congolais et constituer de ce fait une entrave majeure au développement de ce pays. Cette crise survenue à l'indépendance fut aggravée par des rébellions, des guerres d'agression, mais aussi de la dictature de la Deuxième République, une dictature qui était basée sur le culte des personnalités et non sur le travail et le développement. Et enfin la lutte pour la démocratie des années 90. Cette période obscure de l'histoire de la RDC était caractérisée par la destruction méchante des infrastructures de base héritées de la colonisation. Les infrastructures de dessert en eau, de l'électricité, les écoles, les hôpitaux, les routes étaient mises en moule et détruites complètement. 60 ans après l'indépendance, on peut noter non seulement la vétusté, la dégradation et le manque d'entretien des infrastructures à travers tous les pays. La construction des infrastructures, en l'occurrence les routes, les chemins de fer, les ports et les aéroports, l'aménagement urbain, les nouvelles technologies de l'information et de la communication devraient être priorisées dans les efforts de développement pour les prochaines décennies. Une réflexion pour une prise de conscience nous paraît opportune pour booster l'économie congolaise à la base de façon à stabiliser notre monnaie nationale, les francs congolais, et stabiliser ainsi la vie sociale des Congolais. La RDC a besoin de construire beaucoup d'infrastructures afin de relancer les commerces intérieurs et renforcer l'indépendance économique de notre pays, indépendance qu'on a raté d'obtenir en 1960. Bouyal Mangal, bonsoir. Bonsoir. On a beaucoup parlé au sujet du 30 juin de plusieurs personnalités, Joseph Kasavubu, Joseph Pandandila, Boli Kango, Patrice Emery Lumumba et ses deux compagnons, Paulo et Okito. Mais aujourd'hui, vous avez réfléchi autour d'une personnalité qui a marqué les 5 premières années du jeune État congolais. Il s'agit de Moïse Tshombe et vous lui revêtez une double casquette.
Je ne me revête pas les doubles casquettes. Il est lui-même porteur des doubles casquettes. Lesquelles? La première casquette, la mieux connue certainement, la plus dominante, c'est celle d'un chef sécessionniste, la sécession du Katanga. Ça lui colle à la peau. Alors, on a tendance à oublier que Moïse Tshombe a été un des acteurs clés dans la réunification de ces pays. À la fin de la sécession, Moïse Tshombe arrive à Kinshasa comme Premier ministre. Quand il remporte les élections de mars 65 avec son parti, bien avant les élections, la CONACO. C'est celui qui organise les élections. Justement, je suis d'abord au niveau de la première casquette. La casquette des chefs de session, il a porté au nom de l'organisation, le parti politique de la CONACAT, la Confédération des associations tribales du Katanga. Et c'est ça qu'il a porté au pouvoir à l'époque. Alors, lorsqu'on arrive à la réunification du pays, il devient l'acteur clé dans la réunification de la République démocratique du Congo. Il a joué le rôle sur la réunification sur le plan administratif, sur le plan même de l'armée, et devenu Premier ministre, il a continué à jouer cette carte au fond. Et sur le plan de la réunification politique, après avoir il a créé un grand parti politique, la Confédération nationale du Congo. Et vous allez constater que Moïse Tshombe est parti de ce que Kabuya Lumumba aimait appeler du nationalisme tribal au nationalisme congolais. Donc, ça se dit quoi? Il est parti d'un cadre assez réduit et il a compris la pertinence de jouer à fond le rôle de la carte de la réunification du pays. Alors, autre casquette, c'est quand même lui le pionnier de la télévision nationale, il faut le dire. Mais justement, on a longtemps oublié. Bien avant arrivé, il faut dire que Tshombe a gagné les élections de mars 1965. Et c'est le groupe d'Embiza, en voulant remonter Evariste Kimba, qui a donné le pouvoir à Joseph Mobutu de pouvoir faire le coup d'État. Et donc, Moïse Tshombe était sur le point d'être élu président de la République, parce qu'il avait déjà la majorité parlementaire. L'élection présidentielle se faisant au second degré. C'est cela. Alors maintenant, revenons à ce qui nous intéresse, nous en tant que médias. Moïse Tshombe s'est aussi préoccupé de la réunification médiatique. En fait, il se pose le problème de l'image, l'unité du pays, parce que la sécession a brisé l'unité du pays. Les sécessions ont brisé la cohésion nationale et il s'en est préoccupé. Voilà pourquoi il a voulu doter le pays d'un instrument important, la télévision publique, notre télévision. Et donc, nous sommes les premiers héritiers de Moïse Tshombe. La télévision publique, c'est le premier héritage de Moïse Tshombe, même si le maréchal Mobutu est apparu comme le grand bénéficiaire. Merci Mbuyal Mangal. La formation politique Alliance pour la génération citoyenne a salué la mémoire de Patrice Emery Lumumba et de ses deux compagnons, Polo et Okito, qui ont payé de leur vie pour l'indépendance de la République démocratique du Congo. Commémorer les 30 juin 1960, c'est affirmer notre attachement à l'histoire de la République démocratique du Congo, c'est rendre hommage aux héros morts pour cette grande nation et c'est s'engager à défendre le principe citoyen qui ont inspiré nos pères de l'indépendance. L'Alliance pour une génération citoyenne, AGC, salue l'engagement de Patrice Emery Lumumba, Maurice Polo et Joseph Okito qui ont payé les prix les plus élevés, celui de leur vie. Ils ont ainsi contribué à mettre sur orbite un État indépendant tourné vers les libertés fondamentales et les progrès. Cependant, la dignité qu'a réclamée Patrice Emery Lumumba passe aussi par une indépendance économique manifeste. L'Alliance pour une génération citoyenne, AGC, joint sa voix à celle du président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse de décrier les pillages de richesses du sol congolais par les Rwandais, encouragés par de forces occultes, mais aussi de condamner les actes barbares des tueries des paisibles citoyens dans le province du Nord Kivu, de l'Ituri et d'ailleurs. En cette date commémorative du 30 juin, que la nation tout entière célèbre, 64 ans plus tard, l'Alliance pour une génération citoyenne, AGC en sigle, décerne une médaille d'honneur à tous les héros de l'indépendance, autant qu'elle compatit avec toutes les victimes de la guerre éhontée à l'est de la RDC. Face aux nombreux défis qui caractérisent la période post-indépendance, force est de constater qu'il est impérieux de redéfinir les principes de l'engagement citoyen
qui sont depuis plusieurs décennies aux antipodes de ce que nos pères de l'indépendance ont su incarner avec conviction. C'est ainsi que l'Alliance pour une génération citoyenne, AGC, à travers la vision de son initiateur, l'honorable Thierry Moulumba Mpandangila, a défini une offre politique qui passe par un engagement citoyen et qui est constitué des politiques publiques innovantes dans les différents secteurs de la vie du pays. Il s'agit de réformes essentielles et urgentes, autant qu'indispensables et courageuses, pour permettre l'épanouissement de la population congolaise et faire jouer à la RDC sa partition dans les concerts de nations. En ce 30 juin 2024, l'Alliance pour une génération citoyenne, AGC, souhaite une bonne fête de l'indépendance à toute la population congolaise. L'Assemblée provinciale de Kinshasa a choisi le mythique stadium IMCA du 4 janvier pour célébrer le 30 juin. L'espace historique IMCA de Matongé était pris d'assaut par les cadres et militants du parti politique, assure de l'honorable Lambert Osango, pour commémorer le 64e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Pour ce faire, ces Kinois et Kinois ont manifesté leur soutien effectif à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à ses efforts pour mettre fin à l'agression rwandaise. Dans son mot, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Lévis Sangopamba, a galvanisé l'assistance à se mobiliser comme un seul homme pour former un bloc patriotique autour du commandant suprême des FARDC de la police nationale congolaise pour barrer la route aux agresseurs rwandais. À son tour, le député national de la FUNA, Lambert Osango, a salué la mémoire des nos vaillants militaires des FARDC tombés sur les champs d'honneur pour la défense de la patrie. En rendant hommage au chef de l'État, Lambert Osango a signifié que l'intégrité de la République n'est pas négociée avant d'inviter les Congolais à un élan de solidarité générale en faveur de nos compatriotes de l'Est du pays, victimes des barbaries de Paul Kagame et son armée. La République, chef de l'État, c'est un démocrate, un nationaliste même, qui continue à se battre pour que le peuple congolais trouve sa dignité de tout le temps. À l'occasion, le président national de Assir a annoncé des manifestations de grandes envergures dans la capitale en soutien aux FARDC. Les Bilingué à Mouinda, cette pastorale des jeunes de l'Église catholique est cinquantenaire. À la faveur donc de ses 50 ans, le cardinal archevêque de Kinshasa a célébré une messe en cette occasion. Une messe solennelle en pleine semaine. L'événement vaut son pesant d'or au sein de l'église Famille de Dieu en République démocratique du Congo. Le cardinal archevêque de Kinshasa a voulu présider personnellement cette Eucharistie à l'occasion du jubilé d'or de la pastorale bilingue à Mouinda et clôturer les activités jubilaires. Cela fait 50 ans jour pour jour depuis que ce groupe initiatique est né au sein de l'église catholique de la RDC. Les bilingue à Mouinda s'est enraciné au sein de l'église de la RDC avant d'être implanté dans plusieurs autres pays. Ce samedi, les bilingue à Mouinda, anciens et nouveaux, clergés et laïcs de la RDC, et d'ailleurs, sont venus rendre une action de grâce pour l'apport de ce groupe dans leur vie active. L'officiant du jour a axé sa prédication sur la conservation des acquis. Au sein de l'église, plusieurs prêtres et consacrés sont passés par cette école de la vie. Les bilingue à Mouinda ont suscité plusieurs vocations. Qu'est-ce que je peux dire? Moi-même, je suis le produit des bilingue à Mouinda, de la paroisse Sainte-Marie Goretti. Et j'ai bénéficié de beaucoup de choses, j'ai eu beaucoup de grâces et ma vocation vient de bilingue à Mouinda. Parmi les laïcs, nombreux ont aussi été forgés par ce mouvement. Ils en gardent quelque chose dans leur vie active. Créé par Monseigneur Matondo Kwanzambi, le BM reste une référence pour l'église de la RDC. C'est pourquoi il fallait lier l'utile à l'agréable. Le concours Lipanda qui a été organisé en marge de la fête de l'indépendance a vécu. Le gagnant a reçu son prix de main de la première dame qui auparavant a inauguré un centre commercial dans la commune de Lagumbi.
C'est une preuve de plus que la République démocratique du Congo demeure un pays fréquentable pour les investisseurs. En harmonie avec l'architecture du premier môle voisin et le paysage de la ville province Kinshasa, il a fallu 3 ans des travaux pour voir sortir des terres ce nouveau centre commercial. La distinguée première dame de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi, qui a inauguré ce centre, Galeria Mall, vient garnir encore un peu plus l'univers de l'immobilier et des services dans la capitale. Le nouvel élan que le président de la République veut donner à l'économie congolaise nous encourage à investir davantage en République démocratique du Congo. Grâce à cette nouvelle implantation, nous pourrions jouer un rôle encore plus efficace dans la communauté d'affaires de Kinshasa et soutenir les entreprises congolaises et étrangères qui souhaitent s'installer sur le marché congolais avec ce nouveau centre d'affaires. Ce nouveau centre commercial de notre groupe est une adresse prestigieuse offrant une visibilité exceptionnelle aux activités de ces. Le groupe initiateur du projet a salué l'accompagnement de l'État à travers la NAPI et des autorités de la ville. La célébration du 64e anniversaire de la fête nationale de la RDC, un concours Lipanda, a été organisé et le gagnant de ce concours a reçu son prix des mains de la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. La galerie propose des espaces commerciaux abritant des restaurants, salles de jeux et magasins avec une passerelle qui la relie en hauteur avec le premier mall. Le 30 juin a été une occasion pour les experts en planification urbaine et les architectes de se pencher sur l'héritage en urbanisme. Dans les années 50, on verra les premiers étages où vont habiter les Congolais à Bandal, et ça va aller jusque à Lemba. À la longue, l'indépendance a intervenu. Kinshasa paraissait une des meilleures petites villes en Afrique noire avec 400 000 habitants. Les Congolais ont cru que les Belges partis, on devait aller à Kinshasa et habiter n'importe comment. C'est là qu'a commencé des constructions inappropriées. Kinshasa avait aussi moins de population, avec 400 000. Aujourd'hui, nous sommes à 20 millions. Nous, même Congolais, et ne préconisons pas et ne priorisons pas. Donc, nous devons avoir cette volonté. On doit mettre une ligne rouge entre l'autoconstruction pour répartir sur des sites aménagés et loger les gens de façon conforme. Il est aberrant de parler de l'architecture sans urbanisme, parce que produire de l'architecture, c'est faire déjà de l'urbanisme. Encore faut-il maintenant que les spécialistes en urbanisme puissent réglementer et gérer. On ne place pas les édifices, hein, les bâtiments, on n'aménage pas les espaces comme des boîtes d'allumettes. Cela doit être pensé dans une stratégie, dans une politique, dans une vision qui est concertée, qui est cohérente, et en cela, l'urbanisme ou l'urbaniste est fondamental dans la gestion de la ville. Et de nouveau, c'est l'État qui doit recourir à ces experts-là pour qu'on puisse effectivement gérer les difficultés qu'on rencontre dans la gestion urbaine de Kinshasa. C'est tout un cas d'école, il faut qu'on mobilise les urbanistes quant à ça. Forces et les faiblesses des interventions menées en matière de santé de l'adolescent ont été évaluées par le groupe de travail Santé Adolescent. C'est un devoir de redevabilité pour le Programme national de la santé de l'adolescent de faire le point avec ses différents partenaires sur l'évolution des interventions en matière de la santé et du bien-être de jeunes et adolescents dans le pays. L'une des grandes avancées mises en exergue au cours de cette deuxième réunion annuelle, c'est la digitalisation de la cartographie des interventions, procédé qui rend l'information et le service plus accessibles. Désormais, il est possible à tous les jeunes et même à tout le monde de savoir que dans telle zone de santé, il y a des activités des adolescents qui sont menées. Et dans ces activités, quel est le paquet qui est offert? Quels sont les documents normatifs qui sont utilisés? Et est-ce qu'il y a des prestataires communautaires et des prestataires cliniques qui ont été formés et ceux qui n'ont pas été formés? Et voir un peu ce qui manque. Et ça nous permet, en ce moment-là,
de trouver des réponses à tout cela. Le programme national de la santé de l'adolescent a profité de l'occasion pour appeler le jeune de tous les coins du pays à utiliser le message et services mis à leur disposition pour l'amélioration de leur santé et de leur bien-être. 10 sièges de l'Assemblée provinciale du Lualaba. L'Assemblée provinciale justement a clôturé la session ordinaire qui a débuté au mois de mars. Les détails dans ce reportage. Un discours de clôture de la session ordinaire de mars 2024, simple, souple et concis. L'honorable président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Jean-Marie Kaseya, y a ainsi relevé des points allant dans le sens de faire avancer les choses après avoir rendu un vibrant hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, garant du bon fonctionnement des institutions. C'est aussi pour moi l'occasion ici de rendre un hommage vivant et mérité à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions et artisan de la paix qui ne se lasse jamais dans la recherche et la consolidation de la paix et de la tranquillité de notre pays afin de Le speaker de l'Assemblée provinciale du Lualaba a ensuite salué l'engagement responsable des élus provinciaux dans le choix des gouverneurs, vice-gouverneurs ainsi que sénateurs. Ceci augure une bonne collaboration entre l'exécutif et l'Assemblée provinciale, comme ce fut le cas avec le gouvernement provincial sortant. Concernant l'actualité, Jean-Marie Kaseya a évoqué l'avènement de la toute première femme à la primature en République démocratique du Congo, Madame Judith Soumimoi. Excellence, Madame le gouverneur de la province du Lualaba, ici représentée. La session de mars 2024 a connu diverses actualités nationales parmi lesquelles la nomination de la première ministre, Madame Judith Soumimoi, et de l'estiture de son gouvernement dont le discours a mis l'accent sur les mécanismes de collaboration avec le Parlement. Les travaux exécutés à l'Assemblée provinciale du Lualaba n'ont pas échappé à ce discours magistral. C'est notamment la mise en place de commissions permanentes et groupes parlementaires avant, qui ne souhaitent une heureuse fête de l'indépendance à tous. Fin de ce journal, merci infiniment de l'avoir suivi.